Des commerçants qui se barricadent comme un samedi. Avant les manifestations du 1er mai, la préfecture de police de Paris a pris un arrêté ordonnant aux boutiques et restaurants se trouvant sur le parcours du cortège intersyndical de ne pas ouvrir ce mercredi. Tous devront conserver store baissé dans une capitale sous haute surveillance. Les autorités ne veulent pas revoir les images de l'an dernier, lorsqu'un fast-food avait notamment été incendié par des Black Blocs infiltrés dans la manifestation. En Conseil des ministres, Emmanuel Macron a réclamé une réponse extrêmement ferme face à ces groupes en cas de violence. Des mesures draconiennes, alors que cette année des Gilets jaunes ont prévu de se joindre au mouvement syndical pour la fête des travailleurs. À Paris, l'appel à manifester lancé par la CGT, FO, Sud Solidaire et la FSU prévoit de relier Montparnasse à la place d'Italie.